Ça ferait une bonne teinture. Cette zone est recouverte de pièges électriques. Hé ! Quoi ? Tu le regretteras pas si tu tues ces pillards ! Ça ne s'arrête jamais. Bouge pas ! Je vais voir ce que je peux faire ! Peut-être les attirer dans les pièges. Huh?
quoi servent ces pièges, à ton avis? Je dois trouver un creuset pour apprendre à pirater des machines. C'est comme je l'espérais. T'es là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. Je vois que t'es expérimenté. Il t'a fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud? Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkin. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ah, ouais, je profite le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que, il y a plus de place ici, et moins de risque de... d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok? Disons plutôt quelqu'un. Laisse-moi deviner, Ulwund. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulwund. Je lui avais refusé. Il l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose? Comment va ce vieux Karn? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait de belles, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs? Non. Comme des carnes, ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Eren est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Affronter maintenant.
Penses-tu à d'autres choses? Je dois continuer. Ah, ouais. Je passerai ma journée à bavasser. Allez, vas-y. Mon focus pourrait peut-être m'aider. Des traces. Peut-être celles d'Erend et de l'avant-garde. Il y a des fouisseurs partout. On dirait que quelqu'un est en train de se battre. Encore un de moins. Voilà. C'est pour ça que j'ai été forgé. Pas trop vite à remplir. Ah, patrouille ennuyeuse. Juste le marteau. Et le combat. À l'œil. Erend. Reste où tu es. Je m'occupe du reste. Les puisseurs ont des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. Explosez toutes.
Aloy. Je crois que tu vas devoir... Je dois rejoindre. Tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, les côtes, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couard pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu, pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche, ce qu'on a fait, ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule? Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Vouadis, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Vouadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement, rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Eren, si je suis partie comme ça, c'est pas pour rien. J'avais mes raisons. De bonnes raisons. Merci pour l'info. Écoute-moi. La vie sur Terre est en danger et moi seule peux la sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Tout ce qui est en vie va mourir si je ne répare pas une technologie créée par les anciens. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ben, j'imagine que c'est une bonne raison. Je suis un débile. Oh, Eren, par la forge. Bon, va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, non, vraiment. T'as d'autres choses à faire. Je comprends. On va se débrouiller sans toi. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. On ferait que de ralentir.
Je peux remplir ma bourse avec ça. Merci infiniment, sauveuse. Juste à l'œil, ça ira. Eren m'a prévenu que t'aimais pas les titres honorifiques. Vous êtes l'avant-garde ? On est là pour escorter les miches délicates de Voidi jusqu'à l'ambassade. Si on arrive à éliminer ces fouisseurs ? Le capitaine nous a dit qu'on devait surveiller Skorok. C'est là que ces horreurs sont arrivées. On a donné une raclée au premier. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver quand il est tombé. Je t'avais bien dit que c'était pas une très bonne idée de manger autant avant de partir. Je devrais peut-être reprendre la route. En revanche, si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserai à m'écarter quand il tombe. Tu devrais emporter ça avec toi, au cas où. Ça pourra t'être utile. Merci. Sois prudente, Aloy. Voilà la carrière dont Urlis a parlé. Thank you.
une machine de moi. Voilà, la carrière est sûre. Étrangère, viens par ici. Il faut qu'on parte. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail? Mega et moi, on n'est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant que vous ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvund attend de pouvoir que ça? Il a l'argent et les relations. Alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Sur quoi vous travaillez avec ton équipe? On est censé travailler pour Ulvund, on extrait des pierres pour restaurer Gagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les couards. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. Je dois continuer. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Skorok peut reprendre le travail. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ulvund et à Voidis. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer.
plusieurs fois. La chasse. D'après Javad, les fouisseurs avaient été repérés à l'ouest de la carrière. Je devrais peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée. Il sort mort près des chutes. Je devrais aller voir. On dirait que l'impact l'a tué. Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise. Je devrais continuer de suivre la piste. Ça pour un cuisinier. Encore un fouisseur mort. Une ancienne mine. Et tous ces arbres brisés. Comme si un troupeau était passé. C'est de là que viennent les fouisseurs. Mais comment ? À moins que cette grotte nous mène hors des couards. Bon, voyons un peu où ça mène. Se sont effondrés. C'est récent, on dirait. Je ne peux pas passer par là. Il y a de la fumée qui vient du fond de la mine. Une explosion ? Des fouisseurs. Alors ils sont bien arrivés par là. Ils ont dû se retrouver piégés. Je vais devoir les abattre avant de fouiller la zone.
Je cherche d'où vient la fumée. La mine est très profonde. Il y a assez de flambée ici pour faire sauter une montagne. Il y a un message sur l'un de ces barils. Un message adressé à Olvun. On dirait que cette mine n'est plus censée être exploitée. Olvun a voulu gagner de l'argent. Il a continué de creuser toujours plus profondément. Je devrais aller dire à Javad ce que j'ai trouvé. Continuer les explosions dans la mine pour essayer d'en tirer des ressources jusqu'à ce que les fouisseurs ravagent tout. Les explosions ont peut-être ouvert un passage, mais vers où? Thank you.
dire à Olvund de faire sonner le sifflet et à Voidis de partir pour Kenya. Salutations. Ah, te voilà. J'ai encore reçu la visite d'Olvund en personne. Il a insisté, mais je n'ai pas cédé. Et je peux même le dire, je suis allé jusqu'à riposter. Incroyable, non ? Je t'écoute. En préparant son plat, j'ai mis 3 pincées de sel. Au lieu de 2. Chaque voyage commence par un premier pas. Je crois que j'ai ce que tu as demandé. Comme tu m'as donné l'inspiration, je vais tenter de te rendre l'appareil. Au fourneau. C'était incroyable. La prochaine fois que tu voudras le meilleur, tu sauras où me trouver. Et pour ta prochaine commande, c'est la maison qui offre. Merci. Et ne te laisse plus marcher sur les pieds. Puisque t'en parles, tiens-toi bien, mais je concocte déjà ma prochaine action de résistance. J'espère à bientôt. Peut-être faire des réserves de nourriture avant de repartir. Heureuse ? Quelle nouvelle apportes-tu ? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière. Il semblerait qu'ils soient sortis furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine ? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver ? Je ne sais pas, mais les ouvriers d'Ulvund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long, et ils vont même au-delà des couards. Non, tu crois pas que... Olvund a ouvert un passage vers l'autre côté ? Peut-être. Oui, c'est possible. Mais si c'est vrai, il nous faudrait des preuves. Une enquête tellement approfondie, tellement exhaustive, appuyée par la sauveuse. D'accord, je poursuis l'enquête. En quoi accuser les Karja pour les fouisseurs aiderait Olvund à obtenir sa concession ? Tu as vu ici. Bien que nous soyons dans l'Hélium, Skorok n'est que rouille, engrenage et bière tiède. Il prétend que les Karja ont lâché des fouisseurs afin de pousser les travailleurs au Séram effrayés à leur obéir. Enfin, disons simplement que personne ici n'a oublié les atrocités du roi Soleil dément. Et avec l'interruption du travail dans la vallée du Haut-Fouisseur, Olvund aura tout le temps qu'il veut pour réveiller les blessures encore fraîches. Si les Haut-Séram refusent de travailler tant que la concession ne sera pas signée, tu n'auras pas le choix. En effet. La reconstruction de Kanyar doit se poursuivre. Il faut que j'y aille. D'accord. Si je veux trouver par où les fouisseurs sont entrés, je dois continuer vers l'ouest. Raison de plus pour que l'ambassade ait lieu. J'espérais que tu reviendrais. J'ai du nouveau rien. Oh, salut. J'aime bien. Pour utiliser cette énergie, essaye d'attaquer ton ennemi. On verra si ça le surcharge. Ça y est, ton armure est tombée. Envoie l'énergie. Essaye de provoquer une explosion pour le blesser. Ah,
semblerait que ta lance se recharge après les autres. Je crois que les attaques lourdes et les autres morts ici la rechargent plus vite. Non, 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 une attaque légère ne recharge pas ton ennemi. Essaye de faire une attaque lourde. Et c'est la Nora qui l'emporte. Être utile. Il semblerait que ta lance se recharge après les attaques. Je crois que les attaques lourdes et les enchaînements réussis la rendent plus vite. Pour utiliser cette énergie, essaye d'attaquer ton ennemi. La sauveuse de Méridian a gagné. Comment ça va, tête d'enclume? J'attends toujours la prochaine tournée pour moi. Les attaques simples sont un jeu d'enfant. Un véritable combattant les combine. Déjà, entraîne-toi sur ces enchaînements. Cette armure. Utilise tes attaques pour la charger. Ensuite, fais une attaque lourde ou une attaque puissante pour lui faire sauter son armure. Cette lance peut te donner l'avantage. Continue de la recharger, puis attaque tes ennemis. Déclencher ces explosions d'énergie devrait t'aider à les vaincre. Toujours là, à ce que je vois. Skorok est sur les terres Karja. Pourquoi elle n'est pas à leurs ordres? Qui est-ce qui t'a nommé? Le bon sens des braves travailleurs au Siram, bien évidemment. Tu crois vraiment qu'un Karja pourrait diriger ses travaux? Le magistrat est à peine capable de venir à pied de Cagnard sans perdre ses boulons. Tu n'as aucune autorité, alors. Les gens ne t'écoutent que parce que tu parles. Fort. Quand on a des partisans, on a de l'autorité. Je vis à Skorok depuis le tout début. Je suis, pour ainsi dire, son fondateur. Et ses citoyens savent que je suis indispensable à son succès. Tu as dit que tu avais fondé Skorok. Bizarrement, j'en doute. J'ai bien dit, pour ainsi dire. J'ai été le seul à voir son potentiel quand ce n'était qu'une poignée de tentes dans l'ombre de Cagnard. J'ai investi dans la mine, convaincu de vieux amis de faire pareil, et puis voilà. On peut dire que si Skorok est ce qu'elle est, c'est grâce à moi. Donc tu ne te contentes pas de te pavaner et de profiter de tout le monde? Pas du tout. Bien sûr, je tire quelques bénéfices de mon investissement. Mais ma grande priorité, et ça a toujours été le cas, est de veiller au bien-être de ces braves travailleurs au Séram. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Océram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps. Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah,
Je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi ? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Super. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Ah-ha. Ouais. Ouais. Tu ne devais pas assister à une ambassade ? Oui, tu as raison. Maintenant que Skorok repart, les commerces devraient être ouverts. Je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Wadis à Gagnard. Je te réserve ma meilleure marchandise, Rookin. Vu que t'as fait retentir ce sifflet... Hé, ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fouisseurs, il me semble. Prends ton temps, je te promets que tu seras pas déçu. Reviens quand tu veux. Bon, tu peux me réparer ça ? Je peux réparer tes outils, mais ton caractère est irrécupérable. La route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, Voidis. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante ? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi, alors. À plus tard, Aloy. Maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrai retrouver Silence, Hadès, peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Kenya, ou alors je peux visiter un peu les couards avant de partir. Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra.
Oh, t'es venue faire une partie d'attaque, ma sœur? J'installe le plateau. Je faisais que passer. Tu débutes, hein? Ne t'inquiète pas, je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi? Non. Eh bien, tu serais pas en veine, toi? J'ai une collection supplémentaire, une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest prohibé. Approche, assieds-toi, je vais tout t'expliquer en un éclair. Je te donnerai quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Bon, on va commencer doucement. Les Ténac disent qu'Attack est un jeu de stratégie pure. On a toutes les deux un ensemble de pièces. Chaque pièce représente une machine et chaque machine vaut un certain nombre de points. Pour gagner la partie, tu dois gagner 7 points en détruisant les machines de l'adversaire. Ça peut être un peu compliqué de retenir les détails de chaque machine. Alors, on se sert de ces... Tu vois le chiffre? En haut, à droite. C'est le nombre de points que tu gagneras si tu détruis cette machine. Les notes te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer, à quel point ses attaques sont puissantes, la distance à laquelle elle peut attaquer, et bien sûr, sa vie. Bon, ça va aller pour l'instant. On joue. Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure. C'est mon plateau, alors je choisis qui commence. Comme c'est ta première partie, à toi l'honneur. En général, tu peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau, mais ça ira pour cette fois. Prends la pièce de machine à ta droite, et avance-la. N'oublie pas que chaque machine n'avance que sur une certaine distance. Regarde tes notes si t'as un doute. C'est facile, hein? Bon, tu peux bouger deux machines par tour. Parfait! Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, alors tu peux finir ton tour. On continue la leçon. Je vais déplacer mes pièces ici. Et c'est à toi. Cette fois, pourquoi ne pas essayer d'attaquer une de mes pièces? Commence avec la machine à ta droite. Déplace cette pièce suffisamment. Quand tu fais une attaque, tu compares la puissance de combat de ta machine à celle de ton adversaire. La puissance de combat d'une machine dépend à la fois du terrain sur lequel elle se trouve et de sa puissance d'attaque. Bon, sur ce plateau, il n'y a que de la prairie, donc ça n'a aucun impact sur la puissance de combat. Et ta machine actuelle a 2 points de puissance d'attaque. Au total, la puissance de combat de ta machine est de 2 points. Comme ma machine n'est pas celle qui attaque, elle a 0 point de puissance d'attaque. Et tout comme tes machines, elle n'est pas affectée par la prairie. Du coup, la différence de puissance de combat entre les deux machines est de 2 points. Ça veut dire que ta machine peut faire 2 points de dégâts à la mienne. C'est bon, t'as compris? Je savais que t'étais futé. Termine en attaquant ma machine. Ah ouais, t'y vas franchement. Maintenant, prends ta deuxième machine. Comme tu vois, ta machine ne peut pas approcher suffisamment pour attaquer. Tu peux faire en sorte que ta machine sprinte. Ça lui permet d'avancer d'un pas de plus. Essaie. L'inconvénient avec le sprint, c'est que ta machine ne peut plus attaquer. Certains joueurs aiment les risques, et dans ce genre de cas, ils surchargent leur machine. La surcharge te permet d'attaquer après un sprint, mais elle enlève 2 points de vie à ta machine. À utiliser avec parcimonie. On va essayer un peu pour que tu vois ce que ça donne. C'est la fin de ton tour, maintenant. Maintenant, je vais te montrer un truc pratique. Ta machine, celle qui est la plus proche de la mienne, prends-la. Comme dans la vraie vie, les machines ont à la fois des blindages et des points faibles.
Tu peux les voir inscrits sur les pièces. Le bleu indique un blindage particulièrement épais. Si tu l'attaques ici, tu feras des dégâts, mais pas beaucoup. Le rouge indique les points faibles d'une machine. Si tu les cibles, ton attaque sera redoutable. Tiens, je vais te montrer. Tourne cette pièce pour qu'elle soit face à la mienne. Donne une bonne leçon à cette machine. Éjecté du plateau. Et voilà tes premiers points. Tu n'en as pas encore 7, alors on continue. Ta machine a attaqué la mienne, mais elle n'a pas bougé. Déplace-la vers le bas en direct. T'as déjà attaqué une machine et déplacé ta pièce. Mais, si tu surcharges ta... Et au vu de la vie de ta machine, tu sacrifierais ta pièce pour vaincre la mienne. Mais, parfois, c'est une bonne option. Surcharge ta machine pour attaquer la mienne une... C'est pas génial. Bon, comme ta machine a été mise hors combat en même temps que la mienne, on gagne toutes les deux les points que valent nos machines. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est toi qui attaques, tu vas recevoir tes points avant moi. Ça veut dire que tu peux être la première à atteindre les 7 points de la victoire. C'est pour ça que parfois, la perte d'une pièce est le meilleur moyen de remporter une partie. Bon, tu as remarqué que tu n'as pas eu les 7 points de la victoire cette fois. Mais tu as vaincu toutes mes pièces. Ce qui veut dire que tu as gagné! Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Juste oublie pas, tu dois toujours veiller à attaquer depuis le bon terrain. Tu serais surprise de voir l'avantage que ça peut te conférer sur ton adversaire. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir plus d'une fois. Je tâcherai de m'en souvenir. Oh, et avant que j'oublie, voici quelques pièces que j'ai en réserve. Ce serait un honneur que la sauveuse de Méridian les accepte. Ça ne t'en fait pas énormément, mais ça devrait être suffisant pour participer à une partie d'attaque. Si tu veux, va jeter un œil chez les sculpteurs d'attaque. Ils ont plein de pièces uniques que tu peux utiliser pour faire tourner la partie à ton avantage. Pour t'en sculpter une, ils auront besoin des bons matériaux. Ou, tu peux toujours essayer d'en trouver par toi-même. J'ai perdu quelques-unes de mes meilleures pièces pendant une attaque de machine. Ou quand j'étais saoule. Ah, je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'aider une nouvelle joueuse d'attaque. Alors, si jamais tu te sens prête à jouer pour de bon, j'ai un tas d'autres plateaux en stock. Si ça t'intéresse, je peux même t'enseigner quelques petits trucs. Merci, je vais y réfléchir. Ah, je savais que je pourrais faire de toi une joueuse d'attaque. Et si cette fois, je t'expliquais comment utiliser le terrain du plateau à ton avantage? Celui-ci a tous les types de terrains qu'on peut trouver dans une partie d'attaque. Le fait de savoir quand et comment en tirer parti peut faire la différence entre victoire et défaite. Le terrain affecte la puissance de combat de tes machines. Comme tu le sais, quand tu combats la machine d'un adversaire, tu compares sa puissance de combat à la tienne. Plus la puissance de combat de ta machine est élevée, plus tu feras de dégâts. C'est pour ça qu'il est essentiel de trouver le bon terrain pour vaincre ton adversaire. Tiens, je vais te montrer. Prends cette pièce à ta gauche et déplace-la pour attaquer mes machines. Maintenant, c'est la somme de la puissance d'attaque d'une machine et de la valeur du terrain. Comme c'est ta machine qui attaque, elle se trouve aussi dans une forêt. Si tu ajoutes les deux, ma machine se trouve sur une prairie. Ce terrain a une valeur de 0 points. Elle n'attaque pas, ce qui veut dire que sa puissance d'attaque... Ma puissance de combat est donc de 0. Ce qui veut dire que ta machine peut lui faire... Essaie pour voir. C'est ça. Alors, choisir le bon terrain ne fait pas qu'optimiser ton attaque. Ça peut aussi t'aider à protéger tes machines d'une attaque. Prends ton autre pièce et mets-la devant ma deuxième machine. Comme cette... Elle se trouve sur une prairie. Ce terrain a une valeur de 0 points. Ça veut dire que la puissance de combat de ta machine est de 2 points. Ma machine ne peut pas utiliser sa... Mais... Elle a l'avantage. Elle se trouve dans une forêt qui vaut 1 point. Ça veut dire que ma puissance de combat est d'1 point. L'avant de ma machine est aussi en bleu.
Ça veut dire que le côté que tu vas attaquer est protégé par un blindage. Ma machine a donc un point de plus, ce qui fait deux points de puissance de combat. Si on compare la puissance de combat des deux machines, tu vois que tu ne vas pas pouvoir lui faire de dégâts. Quand tu n'arrives pas à dépasser la puissance de combat de l'adversaire, tu peux décider d'attaquer quand même pour briser les défenses de sa machine. Essaie pour voir ce qui va se passer. Ah, tu vois ? Quand tu brises les défenses d'une machine, tu peux la faire reculer. Bon, nos deux machines vont subir un point de dégâts. Mais en éjectant ma machine de ce terrain, tu la rends plus vulnérable aux attaques. Et c'est pas tout. Si ma machine n'avait pas pu reculer, elle aurait subi un point de dégâts supplémentaire. Et si ma machine avait été bloquée par une autre de mes pièces, celle-ci aurait aussi subi un point de dégâts. Briser les défenses d'une machine est donc un excellent moyen d'endommager plusieurs pièces. Pratique, non ? Maintenant, tu peux finir ton tour. J'ai encore un truc à te montrer. Bon, comme on l'a vu, plus un terrain est haut, plus il augmente la puissance de combat de ta machine. En revanche, deux types de terrains fonctionnent un peu différemment. Voici ce qu'on appelle un gouffre. Seules les machines volantes peuvent se trouver dessus. Ce terrain enlève deux points de combat. Alors, sois prudente. Voici le marais. Sur ce terrain, la plupart des machines perdent un point de puissance de combat. Il empêche également ta machine de bouger jusqu'à la fin du tour. Je vais te montrer. Prends la machine à ta gauche. Tu vois, tout ce que tu peux faire, c'est attendre le prochain tour pour bouger. Ou bien surcharger ta machine pour partir d'ici. Tu peux toujours attaquer les ennemis proches. Tu n'es pas totalement vulnérable. Bon, je pense que je t'ai assez rabattu les oreilles pour l'instant. Mais je te promets que tout ça te sera utile pour ta prochaine partie. Tu veux d'autres conseils ? Et si je t'en disais un peu plus sur les pièces dont on se sert ? Dans une partie normale, tu choisis les pièces que tu vas mettre sur le plateau. Chacune vaut un certain nombre de points de mise en place. Et tu peux en dépenser jusqu'à 10 pour créer ton armée. Savoir ce que chaque machine apporte à la partie et créer une armée qui correspond à ta stratégie est essentiel pour devenir une joueuse experte d'attaque. Quand tu crées ton armée, tu dois gagner. Pour commencer, tu ne dois jamais avoir plus de 4 machines identiques en même temps sur le plateau. La plupart des joueurs choisissent des machines en fonction de leur capacité de déplacement ou de leur puissance d'attaque. Mais un véritable expert d'attaque étudie le type et les talents d'une machine. Regardons ça de plus près. Prends la machine à ta gauche. Bon, on va parler des différentes façons dont une machine attaque son adversaire. On appelle ça le type de la machine. Si tu regardes tes notes, tu verras que cette machine est de type corps à corps. Tu peux le voir en observant la forme de la base de la pièce. Une machine de type corps à corps attaque le premier ennemi à portée, et aucun autre. On a déjà vu ça. Déplace cette pièce vers l'avant pour que je te montre. Super, prends ton autre machine maintenant. On dirait qu'on a là une machine de type artillerie. Elle ne ciblera que l'ennemi le plus éloigné qui est à sa portée. Déplace cette machine vers l'avant autour pour qu'on puisse voir le... On va commencer avec cette pièce. C'est une machine de type bélier. Si tu attaques une pièce avec, tu la feras reculer. Comme ceci. Tu vois, ma machine a pris la place de ta machine sur le plateau. C'est un bon moyen de voler l'avantage à ton adversaire s'il domine la partie. Il nous reste encore une pièce à étudier. Ah, voilà une pièce magnifique. Une machine de type ruée. Quand elle attaque, elle fonce jusqu'au bout de sa portée d'attaque et endommage toutes les machines sur son passage, y compris les tiennes. Alors pense bien à observer le plateau avant de penser à en lancer une de ce type. Tu dois aussi t'assurer qu'elle va pouvoir finir son attaque sur un emplacement vide. Sinon, tu ne pourras pas du tout attaquer. Je vais te montrer. Regarde, elle a même fait pivoter.
C'est une machine bien pratique qu'il est bon d'avoir dans son jeu. Si tu regardes tes notes, il en existe pas mal. Et on n'a même pas encore vu... Mais j'imagine bien que tu as des choses plus importantes à faire. Elle contient aussi toutes les astuces. Je crois que c'est déjà pas mal pour l'instant. Si tu veux faire une vraie partie, viens me voir. Allez, on y va. Le plateau est à toi. À moi de jouer. À toi, Rookin. On dirait qu'il ne me reste qu'une pièce. Je suis impressionnée. Bon, voyons. Bon, c'est fini pour elle. C'est à moi de jouer. C'est fini pour moi. Oh, oh. On dirait que j'ai perdu. Bon, on va commencer doucement. Les Ténac disent qu'Attack est un jeu de stratégie pure. On a toutes les deux un ensemble machine et pour gagner la partie... Oh, je suppose que t'en as assez. Allez, jouons. À toi. On passe aux choses sérieuses. C'est ton tour, ok. Hop, éjecté du plateau.
À moi. À toi, Rookin. C'était violent. C'est fini pour moi. On t'arrête plus. Ah, j'étais sûre de gagner. C'est parti. C'est ton tour, Rookin. Éjecté du plateau. On passe aux choses sérieuses. À toi. Ah, j'espérais que tu ferais pas ça. Une pièce de moins sur le plateau. Éjecté du plateau. C'est à moi de jouer. Le plateau est à toi. Bon, c'est fini pour elle. Une bataille difficile qui m'attend. À moi de jouer. On passe aux choses sérieuses. Plus qu'une seule pièce. C'était une sacrée partie, même si j'ai perdu.
Bonne chance. À toi, Rookin. C'est fini pour moi. Des risques, hein? C'est à moi de jouer. Une pièce de moins sur le plateau. À toi. Le plateau est à toi. C'était violent. Hop, éjecté du plateau. C'est ton tour, Rookin. Par la forge, tu m'as battu sur tous mes plateaux. Ça mérite bien une récompense, je trouve. À la prochaine, Aloy. Je savais que tu résisterais pas à ma compagnie. Un repas gratuit. Vas-y, jette un œil sur le menu.
Les éclats. L'autre raison aurait-on de quitter la splendeur de Fremont. L'ennui. Il se passe plus jamais rien d'intéressant dans la requête. La requête est réputée. C'est pour ça qu'on s'avance.